l'agglomération. Pourquoi vous êtes dehors aujourd'hui? Alors nous sommes dehors aujourd'hui pour plusieurs raisons, notamment dernièrement ce qui a fait déborder le VAS, c'est vraiment le recrutement qui a été fait d'une façon irrespectueuse envers le personnel, envers les postulants. Qu'un président du jury qui n'était pas là à chaque instant, qui n'a pas vu tous les postulants, qui était mal fait. Alors on a aussi également du personnel qui est vraiment en souffrance, tant dans les casernes qu'à la direction. Nous avons des personnels administratifs qui sont dans leur coin, qui pleurent dans leur bureau ou qui se mettent en arrêt de travail. Il y en a même 3 l'année dernière qui ont quitté l'établissement. Nous avons des problèmes d'effectifs en caserne avec pas assez de personnel pour monter armer les camions. Nous avons aussi des problèmes de management qui sont obsolètes. Nous avons un problème également par rapport aux futures casernes qui sont mal faites, qui ne sont pas évolutives, qui ne sont même pas encore construites, qui sont trop petites. Qui ne, pour la blaiserie par exemple, qui n'inclut pas d'aire de manœuvre, qui n'inclut pas d'aire de sport, où le personnel ne pourra pas se former adéquatement pour répondre à toutes les sollicitations du métier. Nous avons, voilà, en fait tous ces problèmes étaient déjà patents avant et continuent en fait à croître malheureusement pour la population, parce que à la fin c'est la population qui en pâtira avec un problème de secours.